cette année, c'est encore une grande saison. Oui, il y a une belle équipe. Moi, je suis arrivé cette année là-bas, puis je vois qu'on s'entend bien avec toute l'équipe et ça marche bien. Ouais. Ça marche bien avec un jeune président, Cyril Denis, avec un Gabi Morantin qu'on ne présente plus. Alors, Antoine, toi qui es un spécialiste du cyclocross des chemins Leclerc, pourquoi pas? On vous annonce un tir limite, c'est à la mode maintenant. Donc, ces chemins Leclerc, nouveauté 2013, c'était le prochain objectif, Antoine Jean. Maintenant, je suis trop en deux. Maintenant, je vais voir un peu quelle course sur quelle course je vais aller. Puis, faut que j'aille reconnaître ça parce que ça va être un beau petit truc de 16 juin. Alors, route ou cyclocross, qu'est-ce qu'on va choisir? On va rester cyclocross. Alors, monte sur la fleur, Adrien Guillaume. Un jeune coureur également, Adrien. J'ai vu un petit signe après la ligne qui en disait un petit peu de déception. Quand il est rentré sur sa pluie, ça allait de mieux en mieux. Je voulais gagner aujourd'hui quand c'était la saison de la pluie, mais bon, on va voir, on va voir aujourd'hui là-bas, donc c'est déjà bien. C'est déjà bien un petit peu. Comment ça se passe du côté du Pays d'Orient? Ça se passe très bien. On va à la Coupe de France la mercredi en Champagne. Voilà, c'est ce que dit souvent le... C'est vrai que Hildebrand a bien manœuvré dans le final et c'est vrai que bon, ça, ils ne sont pas loupés quoi. Ils ne sont pas loupés, toi tu t'es loupé un petit peu aujourd'hui. Oui, bon, il faut faire des choix à un moment donné, bon, on n'y va pas et puis on se fait avoir. On se fait avoir, Anthony, sur la troisième marche du podium, voilà le premier podium des 30 premiers avec ma majesté. Voilà le premier podium, on peut les applaudir, c'est pas du tout interdit, mais elle nous a rejoint, voilà, monte un peu animateur, on grimpe aujourd'hui, on change un petit peu, c'est pas trop grave. On va donner des bouquets, voilà, donnez les bouquets. Des bouquets pour les coureurs, voilà Anthony Carlis, Antoine Jean et Adrien Guillaume. Allez, viens, 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 t'as encore de ranger le dessert, on va se retrouver. Ce que j'ai connu, là, toute la course avec des prenais le télégramme en photo. Ça paye un petit peu, alors la semaine prochaine, contre la montre par équipe aussi pour vous ou quoi? Contre la montre par équipe avec Jeanne qui était là aujourd'hui, Vincent Anguille et mon cousin qui est vidéo, donc à fond. À fond un petit peu, on a bien préparé ça. Bah ouais, un petit peu sur les courses et puis on a entraînement ensemble pour la cohésion d'équipe. Donc, voilà en tout cas, alors si on peut le remettre les bouquets rapidement Stéphane, parce que maintenant... Oui mais justement, c'est ce que je dis, on va appeler Frédéric Taillon maintenant, le maillot jaune, qui est donc devant Cyril Pommelet. Voilà, à côté d'Antoine Jean, on va le retrouver bien sûr, c'est pour ça qu'on a préparé le protocole, pour accueillir à nos côtés maintenant, tout seigneur tout à l'heure, Frédéric Taillon, qui va nous rejoindre ici, il a été... Devant Eric Pommelet, 91 points. James Canvet, Niles Canvet, 71. Stéphane Bourguignon, 60. Voilà en tout cas. Voilà le meilleur grimpeur. Voilà, Van Livinou. Voilà. Et le premier junior, voilà qui est là, remis par le marché Malik tout à l'heure en assemblée. Voilà Christian, les belles photos. Christian, on peut peut-être se rapprocher de la première marche. Voilà pour juste devant le podium, Christian, voilà. Allez, voilà Frédéric Gaillon avec le bouquet de la majesté Manu Romain. Voilà. Alors, voilà, bien sûr, on va lui demander un commentaire, il n'y a pas de souci. Voilà Fred Gaillon. Alors Fred, samedi, on va dire à Plougoulen, il y avait premier Stémalène, deuxième Douglas Doé, troisième Paul Moore, trois Anglais devant toi, quatrième Frédéric Gaillon, tu m'avais dit, mercredi on se retrouvera plus là. Ça passe ou ça casse, leader ce soir, heureux Frédéric Gaillon.